soir, ce soir, dans Envoyé spécial, notre enquête sur les rodéos urbains. Qui sont ces jeunes qui sèment la zizanie dans les quartiers? Le ministre de l'Intérieur leur a déclaré la guerre. Pour eux, c'est une passion, pas un délit. On vous racontera aussi une belle histoire, celle de Maé, ce petit garçon sauvé grâce à une greffe du foie. C'est son papa qui lui a fait ce cadeau. Et puis, reportage exceptionnel en Iran, où le pays se soulève après la mort de Mahsa Amini. Cette jeune femme arrêtée par la police des mœurs, nous serons au cœur des manifestations qui font trembler les mollahs. Tout l'été, vous avez entendu parler des rodéos urbains avec des drames, des morts, des enfants blessés. Des rodéos qui exaspèrent les habitants, comme ici, à la Mosson, à Montpellier. Le week-end dernier encore, 5 gendarmes ont été blessés lors d'un refus d'obtempérer à Anglette. Romain Boutillier et Olivier Gardette ont réussi à rencontrer deux jeunes qui se confient à visage découvert. Les menaces du gouvernement ne leur font pas peur. Je m'appelle Ayoub, j'ai 22 ans, je suis un grand passionné de la moto. Je fais des figures assez performantes, on va dire. Dangereuses aussi. Quand je suis sur une moto, j'ai les frissons, j'ai le cœur qui bat très fort. À chaque fois que je suis frustré, qu'il y a un problème dans ma vie ou quoi que ce soit, ben, il suffit que je monte sur une moto et j'oublie tous mes problèmes, j'oublie tout ce qui se passe autour de moi, j'oublie tout. Je m'appelle Lilio, j'ai 22 ans, je viens de Marseille. Ma passion, c'est la motocross. Je fais de la moto depuis que j'ai 8 ans, je crois, 7 ans. C'est les sensations, je crois. Sur une roue, à faire des figures. On va dire que c'est des sensations un peu fortes. Bonjour à tous. On est réunis aujourd'hui pour une opération anti-rodéo. Question de société à présent. Comment lutter contre les rodéos sauvages? Même en fermant les fenêtres, en mettant un fond de musique ou la télé, ils étaient encore présents. C'est comme des tronçonneuses. Voilà, c'est comme si on avait des bûcherons dans le jardin à partir de 11h du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Il y a quand même une agressivité de leur part. C'est une violence. Utiliser le bruit de cette façon-là, c'est une violence. C'est pas parce qu'on fait des wheelings sur la route que forcément on est des voyous, des voleurs, des personnes pas fréquentables. On a tous une vie normale de famille. Je range, j'aide ma mère. J'ai ma mère à la maison, je travaille, je rentre du travail, je prends ma moto, je fais un tour. Tu veux pas écarter les jambes, hein? Je travaille pour la mairie, je finis à midi et j'ai toutes mes après-midi pour profiter de mon temps libre. Après, il a pas repassé au... C'est le midi, il va... Je suis parti à la casse, j'ai acheté un nouveau moteur. Et là, on est en train de le remonter petit à petit. Il manque une petite pièce, là. C'est le réservoir d'essence. Tu m'as donné toutes tes vis, là, il en manque. Ouais. Je vis chez maman, j'ai pas de loyer à payer. Donc ça veut dire que tous mes sous, je peux les investir dans mes motos. J'ai investi, on va dire, à peu près entre 20 et 25 000 euros de matériel. Que ce soit des motos, des crosses, des scooters. C'est une passion qui mange la moitié de la poche, du compte bancaire. Cet argent-là, je l'ai gagné en bossant. Il n'y a pas eu d'achat, on va dire, en fraude ou quoi que ce soit. Passer une journée sans faire de la moto, ben on ressent un manque. Nous, c'est notre drogue. Ça, c'est très, très, très nerveux. En théorie, ça, c'est pour la colline, pour le terrain de cross. Mais on l'utilise sur la route, pour faire des wheelings.
C'est vrai, ce qu'on fait, c'est illégal, mais ça s'appelle aussi le motocross. Ça passe partout, c'est fait exprès. Oui, je passe entre les voitures, je suis sur le trottoir. Je saute, même sur les ronds-points, si vous voulez, sur les ronds-points, je câble. Mais c'est vrai que des fois, on prend des risques sur la route qu'on ne devrait pas. Mais c'est pour le, c'est le kiff. C'est un bike. Si à la police, nous on est en règle personnellement. On s'arrête, ils nous contrôlent, là je cabre pas. Si je cabre, là, l'occurrence, je dois m'échapper. Dans la rue, c'est plus excitant. Ah ouais, c'est plus excitant. Faut esquiver les poteaux, les terre-pleins. Faut vite tourner à droite, à gauche. C'est plus excitant. On va toujours plus loin, c'est le but en fait. Au plus on va, par exemple si on va faire, on va accomplir quelque chose, ben il va falloir qu'on fasse quelque chose de plus chaud. Genre. Pourquoi ? C'est en vidéo, c'est trop beau en fait. C'est se voir quand je me regarde trop moi en fait. J'aime trop me regarder après, je regarde tout le temps, filme-moi, si ça. C'est devenu une compétition de vouloir toujours faire mieux, enchaîner le maximum de figures sur la moto, en wheeling. Prendre plus de risques. Oui, prendre plus de risques. Souvent dans les médias, on entend rodéo urbain ou rodéo sauvage pour parler de ce que vous faites. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? C'est sale. C'est trop sale comme mot. Non, c'est un regroupement d'amis. La bike life, c'est la rue, c'est la montée de la rue, c'est la bike life. C'est une passion qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Ça s'est fait connaître en Amérique. Ça s'est étendu dans presque partout dans le monde. C'est une famille, on est une grande famille. On va vous ressortir une vidéo. Et tu penses pas que les gens ils vont se dire que vous êtes totalement inconscient du danger, et pour vous, et pour les autres ? C'est une question un peu dure à répondre, hein. Pour les gens, on est des dangers publics. Mais... Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? C'est vrai, on est des dangers publics. Toi, tu penses à la mort, des fois ? Ouais, je pense à la mort, hein, mais genre, quand je serai en moto, je me dis pas, je vais me tuer aujourd'hui. On pense jamais, ouais, je pense même pas à l'accident, en vrai. De la vérité, je pense pas. Je me dis pas aujourd'hui, bon, je peux faire un accident. Je mets mon cas, je prends ma moto, je sais ce que j'ai à faire. Si je rentre en bonne chance et qu'il n'y a pas de police, pas de problème, tant mieux. Et s'il y a un problème, ben c'est les risques. Hein. Ils étaient en train de jouer en bas de chez eux quand ils ont été fauchés par une moto. L'émotion à Pontoise. Deux enfants ont été blessés, renversés par une moto lors d'un rodéo urbain. Un jeune homme de 19 ans qui faisait du rodéo urbain sur une grosse moto a trouvé la mort hier soir à Marseille. Un homme de 19 ans est toujours en réanimation à Rennes après avoir été percuté par une moto. Et j'imagine que tu as entendu parler de tous ces faits divers. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Comment tu réagis à ça ? Ça fait peur, hein, ça fait peur. Ça fait peur à entendre. Et j'aimerais vraiment pas que ça m'arrive, je vous dis la vérité, vraiment pas que ça m'arrive parce que alors c'est chaud. On n'a pas d'excuses. Si on écrase quelqu'un, on aura zéro excuse. C'est-à-dire que ça va tout être, on aura toutes les responsabilités. Et du coup, tout ça, en fait, ça te remet pas en question ? Tu te dis pas toute l'opinion publique est contre nous, contre ce que je fais Je vais y penser. Je vais y penser dans mon lit. Je vais y penser le soir quand je vais voir le fait divers ou quand je vais voir les partages des gens qui vont partager. Mais après, quand je te dis, quand je vais prendre ma moto, ça va être oublié. Urbain et vitesse excessive dans le viseur du ministre de l'Intérieur après une série d'accidents dramatiques. Je souhaite qu'il y ait 10 000 opérations de contrôle à partir d'aujourd'hui partout sur le territoire national pour lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route et qui viennent à assassiner des enfants. Il n'y a pas d'autre mot. Bonjour à tous.
On est réunis aujourd'hui pour une opération anti-rodéo. Donc le secteur sur lequel on va travailler, c'est le secteur Grand Littoral, vers Duron, chemin du littoral jusqu'à la plage de Corbières. Alors on cherche tous les engins qui sont non homologués, les motocross qui circulent sur ce secteur-là. On contrôle également les engins homologués, mais qui pratiquent des rodéos. Donc pas de chasse, on ne provoque pas de chute, on annonce la direction de fuite et on interpelle les individus une fois que la moto est à l'arrêt. Les rodéos, ça peut arriver n'importe quand, il n'y a pas de règles. Mais généralement, c'est plutôt les week-ends, plutôt les mercredis et plutôt à partir de la fin d'après-midi, vers 18h jusqu'au début de soirée. Tu peux faire la vica ? Jeune homme remontait la rue en roue arrière avec des gens qui étaient juste à côté de lui et des gens qui étaient sur le passage niveau. Donc il suffit qu'il fasse un tout petit écart et qu'il y ait une perte de contrôle pour qu'il y ait des blessés graves. Très régulièrement, on a des accidents graves, à la fois pour eux, on a très régulièrement des jeunes qui se tuent en faisant des acrobaties, et à la fois pour les autres usagers, parce que très souvent, ils percutent des gens. En plus de leur mettre la contravention, on leur explique que c'est pour éviter des blessés, des morts. On fait ce travail pédagogique. Certains l'entendent, d'autres non. Si ça ne marche pas, on fait ensuite notre travail de policier et de répression. Et ce truc de sensation forte dont tu parles dans la circulation, tu ne penses pas quand même que c'est totalement inconscient pour la sécurité des autres ? C'est inconscient, c'est vrai, mais nous, on va encore plus kiffer. Parce que nous, on va dire on est comme ça, on aime le danger, mais on sait ce qu'on fait. C'est ça qu'ils ne comprennent pas les gens. On contrôle notre moto, on sait ce qu'on fait. Bon, je pense que ça, c'est du fantasme. C'est le fantasme. Il n'y a pas de super pilote, aussi bien automobile ou de roue. Quand on retient l'infraction de la mise en danger de la vie d'autrui, qui est une infraction délictuelle là, du code pénal, on leur dit, on leur explique tout ce que vous avez fait avec le franchissement, effectivement, des lignes continues, le fait de rouler sur les trottoirs, de rouler. On leur dit, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Et ils disent, non, mais effectivement, ils nient. Ils disent, non, mais j'ai pas mis en danger la vie d'autrui. Et si, tu as les autres automobilistes qui, eux, n'ont rien demandé et qui sont en danger parce que tu passes à côté d'eux et tu as une conduite dangereuse. Ici, au niveau de la Division Nord, depuis un an et demi, on a saisi 152 motocross. Sur les 152, 113 motocross ont été détruites. Mais quand je vous dis détruites, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment mises en confetti, il n'y a pas derrière de possibilité de rachat, même de vente aux enchères et autres. Tout est vraiment écrasé. C'est d'abord un impact psychologique. C'est qu'on ne rend pas l'engin au motard. C'est un impact qui est aussi financier, puisque cet engin-là coûte entre 5 000 et 8 000 euros pièce. Et effectivement, il n'y a aucun intérêt de racheter pour refaire la même chose et se le refaire confisquer. Et pourquoi, à votre avis, il persiste à vouloir en faire dans la circulation ? Il y a quand même un sentiment un peu de puissance de leur part d'arriver et de faire peur. C'est ça qui l'intéresse. C'est un peu ce sentiment-là d'être au-dessus de l'État, au-dessus des lois, et effectivement de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc on en revient au répressif. Et le répressif, il est là avec une confiscation et une destruction. Ma fille, tiens. Qu'est-ce que c'est? De ça, c'était ma moto, celle qui m'ont prise. Celle-là. Elle était trop belle. Je l'aimais trop. Ouais, je sais pas ce qu'ils en ont fait, mais j'ai jamais pu la récupérer, en tout cas. Dans ma chambre, en gros, j'ai mes heures de sortie et de rentrer dessus. Et si genre, ils détectent que je suis dehors, pas chez moi, à partir de 15h, eh ben, ça sonne ici à la maison. Et si je réponds pas, ben, je suis déclaré comme évadé. Et donc toi, aujourd'hui, concrètement, regarder des vidéos chez toi ou sur ton téléphone, c'est tout ce qui te reste? Ouais,
toutes mes après-midi, je peux faire que ça. Avant le ramadan, je serais parti rouler, mais je peux plus. Rester à la maison, rien pouvoir faire. Regarder les snaps des gens qui roulent, qui sortent la moto. Ah, ça met la haine. Je comprends pas. Ça fout la mort. Hein. Et du coup, cette décision de justice, toi, elle te pousse à te remettre en question ou pas? Non, pas du tout. Au contraire. Enfin, pas au contraire. Enfin, ça va rien changer à mon avis, en fait. Genre, ça me punit à moi plus qu'autre chose, mais mon avis va rester le même. La moto, ça restera de la moto. Pour moi, en fait, c'est pour eux, c'est illégal, mais dans ma tête, c'est légal. Tant que j'aurai pas un truc sur la conscience ou que j'aurai fait de grave, je me considérerai pas comme un délinquant pour de la moto. Je fais de la moto. De la moto, c'est dur à entendre, mais de se faire punir pour de la moto, de la moto. Eh bien, genre, pour moi, là, moi, je pourrais pas arrêter, genre. J'arriverai pas. Même si on me fait rentrer en prison, je ressors, je fais de la moto. Je sais pas, c'est comme si vous dites un... Je sais pas, un alcoolique d'arrêter de boire. Ces chauffards qui rendent la vie impossible aux habitants des quartiers. Les riverains font appel régulièrement à la police et à la mairie, mais se sentent un peu abandonnés. En fait, les mecs, ils font des circuits, ils font des allées-venues. De temps en temps, ils montent sur les rues parallèles ou adjacentes. Et puis voilà, ils font des allées-venues, des allées-venues, des allées-venues. Et ils peuvent faire 50 allers-retours. Des rodéos urbains dangereux et très bruyants qui, depuis 8 ans, exaspéraient une habitante des quartiers nord de Marseille. Une habitante du 15e arrondissement a porté plainte et elle vient d'avoir gain de cause. Pour la première fois, l'État est condamné. Quand je rentrais du travail, j'ouvrais la portière de ma voiture. La première chose que j'entendais, c'était les motocross dans le quartier. Jusqu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire qu'on avait, j'avais plus de répit. C'est comme des tronçonneuses. Voilà. C'est comme si on avait des bûcherons dans le jardin à partir de 11h du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Même en fermant les fenêtres, en mettant un fond de musique ou la télé, ils étaient encore présents. Je veux dire, ils s'immisçaient jusque dans ma salle de bain. C'était juste hallucinant. J'ai commencé donc à changer mes habitudes, surtout à partir de l'été 2017. Partir le week-end, plus être chez moi, parce que je ne supportais plus. Ne plus inviter de monde, parce que d'abord, j'avais honte. J'avais honte de, ouais, d'avoir ça et de le subir sans pouvoir agir. Des fois, c'est calme, mais c'est archi calme. Vous voyez bien que c'est une avenue où il y a très peu de passages de voitures, donc vous n'entendez rien. Et puis tout à coup, il y a le type qui commence à démarrer sa moto à 2h, 3h, 4h du matin. Il va faire un quart d'heure d'aller-retour, il va prêter la moto à son copain. Ils vont faire les beaux et puis ils repartent, quoi. Et ils reviennent 2 heures plus tard. S'ils avaient commencé à 2 heures, ils reviennent à 4 heures, il n'y a pas de problème. Ça peut être n'importe quand. Et cet été, il y en a eu beaucoup. En pleine nuit, il y en a eu beaucoup. Tiens, bah, vous allez en voir dans toute sa splendeur. Il y a vraiment... Voilà. Voilà, bah, ça c'est... Ils font ça aussi, il y a aussi une part de provocation. Hein. Moi, je comprends qu'on ait envie de rouler cheveux au vent, s'amuser. Enfin, il y a des endroits pour le faire et des heures, à la rigueur. Il y a quand même une agressivité de leur part. C'est un geste, c'est une violence. Le bruit, utiliser le bruit de cette façon-là, c'est une violence. Mes premières lignes, moi, quand j'avais un cross, c'était celle-là, là. C'est ma première ligne où je prenais un peu confiance en cabrin. C'est cette ligne-là, où les voisins dehors, la haine de moi. Depuis que j'ai 11 ans, j'ai un scooter. Et entre les bruits des scooters cassés, les cabrages toute la nuit, les cils et ça, ils n'en peuvent plus. Après, c'était les motocross. Ah, ils en ont marre, ils en ont trop marre. Ils en ont marre. Et toi, tu trouves ça normal? Qu'ils en ont marre? Ouais, je les comprends. Je t'ai dit, des fois, je sors, il est 9h du matin. Toi, tu viens de rentrer, je sais pas, samedi soir, tu rentres un peu tard, 4h, 5h. T'entends une croix, tu te réveilles à 9h du matin, tu as envie de tuer.
Et pourtant, tu vas lui dire quoi? C'est de la moto, frère. C'est une moto, elle passe. Je peux rien lui dire. Les premières semaines, je me suis dit, bon, la police va intervenir, cette histoire, elle va pas durer. Je veux dire, j'ai vraiment fait preuve d'une naïveté assez incroyable. Est-ce que vous appeliez la police plusieurs fois par jour? Ah oui, il y a des jours, ça pouvait être 10 fois par jour. Qu'est-ce qu'on vous disait au bout du fil? Ben, au bout du fil, on me disait qu'on n'avait pas de voiture disponible, qu'on n'avait pas le droit de poursuivre ces gens-là, donc que rien ne serait fait contre eux. J'ai été obligée de recourir à des antidépresseurs parce que je ne supportais plus cette situation et elle devenait obsessionnelle. Voilà. Elle était rentrée dans ma vie et je vivais que à cause, contre, avec les rodéos. Là, on en a marre. On est arrivé à un point où finalement, on appelle moins le 17. On se dit qu'on finira par quitter le quartier comme d'autres avant nous. Et c'est vrai qu'on a tendance à baisser les bras. C'était tellement douloureux pour moi, ce problème de rodéo, que j'ai décidé de me battre et de ne pas lâcher l'affaire, d'aller de tout agiter, ce que j'ai fait avec des voisins, puis ensuite seule, lorsque je suis partie en justice. Constater que la police, quand vous les appeliez après la condamnation, se déplaçait, ils prenaient au sérieux. Effectivement, l'accueil au 17 a beaucoup changé. Ça, je pense qu'il y a eu des consignes qui ont été données, ou en tout cas peut-être une formation ou une perception du sujet. Il est plus relayé comme quelque chose où, comme avant, on avait le sentiment de les ennuyer avec ce problème de rodéo. Là, il est plus pris au sérieux. Et comme les rodéos se sont quasiment arrêtés dans notre quartier, Je pense que c'est réel. On a rencontré Madame Lafont qui nous a dit que les rodéos s'étaient arrêtés après sa victoire devant les tribunaux. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ce qui vous a incité à davantage intervenir? Alors, oui, je connais effectivement les doléances de cette personne, comme d'autres dans notre secteur des quartiers nord. Bon, il faut savoir qu'également, nous, dans les quartiers nord, on a des priorités délinquentielles. D'accord? Il y a quelques années, les patrouilles n'étaient pas toutes figées sur le rodéo. Il faut savoir qu'ici, on a du narco-banditisme, des règlements de compte, des vols avec violence, des trafics de stupes. Effectivement, quand on a eu cette recrudescence de rodéo il y a un peu plus d'un an, ou de 2 ans, on a agi. Peut-être qu'avant, on avait une réaction qui était moins immédiate, mais là, on a agi et on s'est vraiment mis à la problématique et surtout à la parade. Aujourd'hui, les rodéos ont disparu dans votre quartier? Alors, en tout cas, ils sont vraiment atténués. S'ils en font, c'est quelques dizaines de minutes, pas plus. Ils ne s'éternisent pas dans le secteur, en tout cas. J'ai retrouvé une vie normale, voilà. C'est-à-dire, j'ai retrouvé ma vie d'avant, tout simplement.